avant de midi, venez dans la maison de Dieu. C'est là où nous contemplons la gloire, la majesté de ce Dieu. Thank you.
J'aime Jésus. Amen. Amen. Moi j'aime Jésus. Pose la question de Dieu de raconter les vrais. J'aime Jésus. Parce que nous aimons Jésus. Amen. C'est bon. Maintenant c'est le temps de la prédication. Amen. Nous allons prier pour l'orateur de ce matin. Nous allons les recommander entre les mains de Dieu. En fait, que tout ce qu'il va communiquer, que ce ne soit pas une parabole, mais une révélation de la part de Dieu. Dis à Dieu de disposer ton cœur, afin que la semence puisse donner du fruit. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons prier. Alléluia. Aujourd'hui, je ne voudrais pas écouter comme écoute n'importe qui, mais je voudrais écouter comme écoute le disciple. Car le disciple, quand il écoute, la foi vient et il exerce cette foi et il voit la main de Dieu agir. Mais quelqu'un qui vient de la foule, quand il écoute, il est tellement impatient qu'il risque de prendre le devant devant le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous voulons être bénis par la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous avons les yeux fermés et nous voulons maintenant vraiment être concentrés devant le Seigneur. Amen. Hey!
tikala moninga tanga yango maroba ya zambe yoyoyo ekoma mina biblia ezali maroba ya solo oyo nyonso akondimelango maroba ya zambe yoyoyo moninga tanga kayango maroba zambe Tikala moninga tanga yango maloba ya nzambe yoyoyo ekoma mina biblia ona bampasi nayo ona basusi nayo moninga tangaka yango maloba nzambe Bien-aimé, mon bien-aimé, je voulais que cet après-midi, que le Seigneur parle à ton cœur, que le Seigneur touche ton cœur, que le Seigneur puisse changer ta destinée, car il est la seule personne qui peut changer ta vie. Si lui ne peut changer ta vie, qui d'autre peut changer ta vie? Qui d'autre? Alléluia. Oh mon Dieu, mon Seigneur, je sais que tu es maintenant en ce lieu, je sais que tu es en train d'agir, je sais que tu prends maintenant les arènes. C'est toi qui parles à ma soeur, c'est toi qui touches le cœur.
sais que tu es Dieu. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu agis. Je sais que tout celui qui vient auprès de toi ne pourra jamais rentrer tel qu'il est venu. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu vas plaider une fois de plus non coupable envers tes enfants. Je sais, Papa, aujourd'hui, nombre de tes enfants qui se demandent pourquoi ma vie est telle. Dans ce sens, tu vas le redresser, car tu es celui qui redresse la vie. Tu es le Dieu de restauration. Tu es le Dieu de rétablissement. Tu es le Dieu de récupération. Je te bénis, Papa. Je te bénis en ce lieu, parce qu'au milieu de saints, nous ne manquerons de te bénir. Toi qui es revêtu de clair et de magnificence, toi qui portes une robe sur laquelle est vraiment sérieuse, telle que je le dis, sois sans toi libre. C'est très important. C'est très important. Exprime-toi. Tu peux t'exprimer par la parole ou par des signes, parce que c'est ça la vie chrétienne. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront. Quand on croit en Dieu, il y a des signes qui doivent accompagner. Par exemple, la joie, c'est un signe. Par exemple, acclamer, c'est un signe. D'ailleurs, acclamer fait partie de l'adoration. Alléluia. 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 Vous savez, nous avons des stratégies pour faire tomber les ennemis. Des fois, quand l'ennemi vient dans notre vie, il nous attaque, il croit vraiment qu'il a pris le dessus. Mais il nous voit à l'aise, en train de chanter, comme j'ai vu mon bien-aimé en train de chanter. Je me suis dit vraiment, voilà les gens qui ont compris vraiment la place où ils sont. Amen. Alléluia. Et quand l'ennemi te voit en train de danser, en train de chanter, alors que tu avais des problèmes sérieux, il s'est dit, mais finalement, je me suis trompé d'adresse. Je provoque cette personne. Mais malgré cela, elle s'approche encore de Dieu. Plus je la provoque, plus elle s'approche de Dieu. Autant que je la laisse libre. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, vous devez savoir utiliser les atouts que Dieu vous a donnés. Utilisez les instruments que Dieu vous a donnés. Il les a mis entre vos mains. Moi, j'ai toujours dit une chose dans la vie chrétienne, que tu ne le veuilles ou pas, en tant qu'enfant de Dieu, les combats seront là. Le combat n'est pas une malédiction, le combat c'est une voie par laquelle Dieu voudrait t'élever. Tu peux être loin du Saint-Esprit, l'onction n'élève pas, l'onction donne les capacités, mais ce sont des combats qui élèvent. C'est quand tu as combattu que tu es maintenant élevé. David avait l'onction, mais il n'était pas élevé. À partir du moment où il a combattu Goliath, il a gagné. C'est à partir de ce moment-là que tout le pays l'a connu. Les femmes ont commencé à chanter. Saoul en a tué ses 1000 et David en a tué ses 10 000. Vous voyez, ma bien-aimée, c'est pourquoi même quand tu es combattu, même quand tu as des problèmes, glorifie le Seigneur. Parce que plus grand est ton combat, plus grand est aussi ton élévation. Amen. C'est ça le principe de Dieu. Amen. Nous voulons lire aujourd'hui dans la parole de Dieu, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, chez nous quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous levons tous. Romains chapitre 8, et nous lisons tous. Ce n'est pas seulement l'affaire d'une personne, mais c'est l'affaire de tout le monde. Et nous lisons tous. Romains chapitre 8, à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Quatre versets seulement qui peuvent changer totalement notre vie, totalement notre destinée. Romains chapitre 8, à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Est-ce que nous pouvons tous le lire? Nous avons? Amen. Nous sommes dans la page? Amen. Vous y êtes? Amen. Nous y sommes. Amen. Amen. À partir du verset 31. Si tu as une Bible à Lingala, tu peux la lire à Lingala à haute voix. Si tu as une Bible à Congo, tu peux aussi la lire. Si tu en as en français ou en anglais, nous lisons tous ensemble. Amen. Amen. Nous lisons, nous faisons comme le jour de la Pentecôte, chacun l'entendait parler en sa propre langue. Amen. Amen. Ce n'était pas ce jour-là, ce n'était pas une langue des anges, mais c'était une langue des hommes. Amen. Amen. Nous lisons tous. 1, 2, 3. Que Dieu nous donne à l'égard des choses. Qui sera contre nous. Lui qui n'a pas perdu son propre fils, mais là, il prie pour nous tous. Qui accusera encore les élus de Dieu? C'est Dieu-même le Seigneur juste. Qui les condamnera? Yes. Alléluia. Mais quand je vous vois là, je me dis, là, est-ce qu'ils m'aiment, ils veulent de moi ou ils ne veulent pas de moi? Mais je sais que vous m'aimez et vous voulez de moi, parce que nous sommes tous enfants de la même maison. Amen. Amen. Alléluia.
Je bénis le Seigneur vraiment comme l'a dit notre bien-aimé pour cette connexion qu'il a créée. Moi, j'ai toujours dit une chose, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment, bien qu'ils sont appelés selon ses desseins. Dans le Seigneur, il n'y a pas de hasard. C'est vrai, il se connaît avec mes petits frères, le pasteur Guilain, le pasteur Hugo et autres, mais c'est aussi une famille et une grande famille. Amen. C'est vrai qu'à l'heure qu'il est, le Seigneur est en train de faire connecter ses enfants pour qu'ils constituent une force. Parce que ce que lui, il a, moi je ne l'ai pas. Ce que moi j'ai, lui n'a pas. C'est ainsi que le ministère fonctionne afin que l'Église de Dieu puisse vraiment parvenir à la perfection. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. D'ailleurs, ce qui se fait dans l'improvisation, des fois, a un grand impact que ce qui a été préparé par l'intelligence des hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis aussi le Seigneur pour votre accueil. Vous avez accepté de m'accueillir, de me recevoir. Le plus important pour moi, c'est cela. Ni plus ni moins. Amen. Amen. Mais je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma femme, une femme forte. On a toujours dit, aux côtés d'un homme fort, il y a aussi une femme forte. Amen. Amen. Je suis près de 30 ans dans le ministère. J'ai près de 26 églises dans le pays, au Congo. Et ma femme, c'est une vraiment de personnes qui, les premières, m'ont aidé dans mon ministère. Amen. Nous avons une grande communauté au Congo et elle est celle qui s'occupait de toutes les mamans de la communauté. Elle était la seule femme dans la communauté qui avait le droit de prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. Si elle peut se lever, que vous puissiez la voir. Je l'aime tellement que j'aime la présenter. Amen. Amen. Alléluia. J'ai aussi mes enfants qui sont là-bas, consolés et ravis. S'ils peuvent aussi se lever, que le peuple de Dieu le voit. Amen. Alléluia. Amen. Et Menaïm aussi, la fille, l'enfant, à mon petit frère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je bénis vraiment le Seigneur pour cette flexibilité du pasteur qui a accepté que je vienne, et je pense que je ferai de mon mieux selon l'Esprit de Dieu qui est en moi, afin que vraiment vous puissiez sortir pas comme vous étiez venu. Amen. Amen. Je bénis aussi le Seigneur pour mon enfant Hans. Mon enfant Hans, c'est vraiment mon enfant. Amen. Amen. Il a appris la musique tout dans mon église. Il n'est pas tellement âgé tel que vous le voyez là. Il est fort, mais c'est vraiment un enfant. Amen. Amen. Mais un enfant respectueux et respectable. Amen. Amen. Très humble et très simple. Je ne le dis pas seulement parce qu'il est là, mais c'est la nature même. Amen. Amen. Évidemment, je comprends aussi du fait que son père aussi est un pasteur. C'est pourquoi il est bien éduqué. Amen. Amen. Alléluia. Je suis vraiment très content de toute l'assemblée. Amen. Amen. Le thème de cet après-midi s'intitule « Déclarer non coupable ». Amen. Amen. Déclarer non coupable. Alléluia. Amen. Déclarer non coupable. Amen. Amen. Vous savez, mes bien que enfants de Dieu, parce que nous avons une double nature. Nous avons la nature physique et la nature spirituelle à cause du Saint-Esprit qui est en nous. C'est ainsi que là où nous sommes limités, le Saint-Esprit peut aller jusqu'à l'illimitation. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ma soeur, mon frère, je voulais te dire une chose à partir de ce message d'aujourd'hui, que tu te sentes libre. À partir du moment où tu te sentiras libre, tu pourras aussi poser des actes qui vont au-delà de ta capacité parce que tu en as les moyens. Amen. Amen. Je croyais que tu dirais vraiment amen. Alléluia. Amen. Je croyais que tu dirais alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. Amen. Le diable, la Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Depuis que le diable existe, il a toujours cherché à accuser les enfants de Dieu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis que le monde existe et depuis que le péché est entré dans ce monde. Vous connaissez l'histoire de Job. Job, c'était quelqu'un d'intègre, donc qui avait reçu même le témoignage de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'un jour, pendant que Dieu était en train de se promener, le diable aussi, ils se rencontrèrent. Leur chemin se croisait. Alors Dieu a demandé au diable, d'où tu viens? Oh, je viens de me promener à travers le monde. As-tu vu mon serviteur, Job? Dieu n'a pas demandé, as-tu vu qui que ce soit, mais il lui a demandé, as-tu vu mon serviteur? Parce que le regard de Dieu est sur ses serviteurs, et le regard du diable aussi est sur les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Le diable, mes bien-aimés, a toujours pris les serviteurs et les servantes de Dieu pour cible. C'est pourquoi si tu ne sers pas le Seigneur, le diable va tout simplement faire un traité de paix
avec toi. Il va te laisser tranquille parce que tu ne sers pas le Seigneur. Mais lorsque tu sers le Seigneur, le diable va chercher dans ta vie à te combattre à tout moment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais cela, puisque nous le savons, cela nous donne encore de la force pour servir le Seigneur davantage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors le diable te dit oui, je l'ai vu. Si tu crois qu'il est intègre, tu te trompes. Il n'est pas intègre. S'il te sert, c'est tout simplement parce que tu le bénis. Alléluia. Amen. C'était une accusation. Le diable voulait faire croire à Dieu que Job sert Dieu tout simplement par un intérêt quelconque. Amen. Amen. Lorsque nous lisons dans le livre de Zacharie, la Bible nous dit dans Zacharie au chapitre 3, la Bible nous dit que Josué c'était le sacrificateur de cette. Le diable, quand il vient dans la vie d'une personne, il cherche simplement les côtés négatifs afin de mettre une certaine condamnation en lui. Il te rappelle même les choses du passé. Ma bien-aimée, il y a beaucoup de gens qui ont vu leur vie troublée tout simplement à cause de certaines erreurs qu'ils ont faites dans le passé. Quand bien même ils sont dans le Seigneur, ils croient que non, le Seigneur est tellement méchant. Parce que nous, les hommes du monde, nous sommes habitués à pardonner à moitié. Quand nous avons pardonné, nous n'oublions pas. Amen. Amen. D'ailleurs, c'est dans le monde qu'on dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Amen. Amen. Certains annoncent même des versets bibliques, mais moi je sais qu'une faute avouée est totalement pardonnée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le diable vient, il dit que non, une faute avouée est à moitié pardonnée. Et c'est ce verset qui va beaucoup véhiculer. Beaucoup de gens connaissent ce verset qui n'existe même pas. Alléluia. Amen. Ça ne se trouve pas dans la Bible, mes bien-aimés. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Quand Jésus nous pardonne, il l'efface. Alléluia. Amen. Il efface tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Amen. Devant Jésus-Christ, tu es saint. Tu n'es pas saint à cause des actes que tu as accomplis. Non. Parce qu'il y a quelqu'un qui a combattu pour toi et qui a gagné. Alléluia. Amen. Je croyais que tu dirais amen. Amen. Même au sein de l'église de Dieu, l'esprit de condamnation est entré. Il y a des gens qui ont l'esprit des arbitres. Vous connaissez un arbitre? Un arbitre, c'est quelqu'un qui ne siffle jamais de belles actions. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a bien dribblé et l'arbitre qui siffle? Non. Mais répondez-moi, les bien-aimés. Non. Amen. Amen. Les arbitres sont là tout simplement pour siffler des fautes. Amen. Amen. Des fautes. Et pour, ils sont prêts pour montrer quoi? Des cartons rouges. Nous avons un esprit de condamnation qui est entré dans l'église. Si bien que quand quelqu'un fait beaucoup de bien, comme notre jeune frère pasteur, il est jeune. C'est vrai que quand on est jeune, on est aussi beaucoup plus combattu. Alléluia. Parce que dans la jeunesse, on a de la vigueur, on a de la beauté, on a presque pratiquement tout. Mais il a accepté de servir le Seigneur. Mais il n'est pas Jésus-Christ. Il peut aussi commettre une erreur. Quand il commet une petite erreur, les gens oublient tout ce qu'il a fait de bien, mais les gens ne voient que cette erreur-là. Amen. Et c'est là qu'il commence à parler de. Je ne fais pas ce que d'autres font, mais je sens en moi une culpabilité parce que rien ne va dans ma vie. Rien ne marche dans ma vie. Les gens qui viennent pour me fiancer, quand bien même je voudrais marcher selon le Seigneur, ils veulent d'abord, avant le mariage, que je puisse déshonorer mon Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Amen. Mais puisque moi, je défends la cause de la parole de Dieu, et voici les conséquences que j'ai subies. Alors je me demande, quelle est cette culpabilité? Quel est ce péché? Des fois, je cherche le péché. Moi, je lui ai dit, ma bien-aimée, mon bien-aimé, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même un homme de Dieu tel que je suis là, il peut porter des paroles de condamnation dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, il y a une personne qui s'est levée pour porter toute condamnation. Amen. Je connaissais une femme. Cette femme-là s'appelait Ruth. La Bible nous dit que quand les enfants d'Israël sont arrivés dans le territoire de Moab, Moïse a été combattu par Balak, qui a utilisé Balaam pour le combattre sur leur chemin. Alors Moïse, dans sa colère, il a dit, jamais, jamais, les eunuques ne pourront habiter dans l'assemblée d'Israël, et jamais, les Moabites ne pourront habiter dans l'assemblée d'Israël. Mais Moïse n'était qu'une personne. Alléluia. Amen. Ce que Moïse a dit, mon grand frère que je connais, que je vous prêche aujourd'hui, il peut l'enlever. Amen. Parce qu'il a combattu et il a gagné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai connu
sens mal aimé, tu te sens marginalisé. Tout ce que tu fais, les gens trouvent cela mauvais. Personne ne veut de toi. On te trouve inutile. Parce qu'il est écrit, ce qui manque ne peut être compté. Amen. 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 Alléluia. Mais sache une chose. Il y a quelqu'un qui a combattu et qui a gagné. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous connaissez l'histoire de Ruth. Ruth est comptée parmi les ancêtres de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dans la lignée de Jésus-Christ. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, laisse-toi je te dire que c'était la parole de Dieu, l'élévation. Mais Jésus-Christ est venu par l'humilité. Mm-hmm. L'humilité précède la gloire. Amen. Le diable est venu en son propre nom. Mais Jésus-Christ, il est venu au nom du Père. Amen. Le diable est venu avec le mensonge. Mais Jésus-Christ est venu avec la vérité. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois comprendre sur quel terrain tu te retrouves. Tu dois le comprendre. Et savoir que, en dépit de tout ce que tu es en train de vivre, ma bien-aimée, mon bien-aimé, aussi longtemps que tu es encore en vie, parce que la Bible nous dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Ce n'est pas un amen que j'aurais souhaité entendre. Alléluia. Amen. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Moi, j'ai toujours dit dans la vie chrétienne, nous avons étudié le français. Il y a certaines phrases, pasteur, tu es là d'accord avec moi, qui sont tellement longues, avec beaucoup de virgules, mais aussi longtemps qu'on n'a pas encore mis le point, c'est que la phrase n'a pas encore terminé. Amen. Amen. Ta vie peut être parée de beaucoup de virgules. Il y a des phrases qui sont longues, il y a des phrases qui sont courtes. Mais le plus important, c'est que le point final n'a pas encore été mis. Amen. Amen. Et le point final, c'est celui qui est dans le ciel de l'aimé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est coupable, c'est quelqu'un qui est condamnable. Quelqu'un qui est coupable, c'est quelqu'un qui est passible à la prison. C'est quelqu'un qui doit aller dans la prison. Or, quand on est dans la prison, on n'est pas libre de ses actions. On est limité dans sa sphère. On ne sait pas à progresser. Peut-être qu'il en est de ton cas. Tu ne progresses pas. Tu ne prospères pas. Tu es limité. Parce qu'il y avait une condamnation au niveau de ta famille, au niveau de ton foyer, au niveau de l'environnement proche ou lointain. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a quelqu'un qui a combattu et qui a gagné. Amen. Amen. Même les gens de ce monde disent la loi du plus fort est toujours la meilleure. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a combattu et qui a gagné. Vous savez, dans la vie d'une personne, lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui est condamné, il a besoin d'un bon avocat. Alléluia. Amen. Il a besoin d'un bon avocat. Et l'avocat va chercher à rassembler des arguments qui peuvent faire en sorte qu'en définitive, il obtienne l'acquittement de son client. Amen. Amen. L'avenir de son client, quelle que soit la culpabilité. Moi, j'ai vu des gens, vous sentez qu'il a commis cet acte-là. Vous sentez vraiment, réellement, qu'il était coupable. Mais parce que l'avocat avait des arguments palpables, en définitive, soit il a été tout simplement blanchi, ou encore, il a tenu à dire, tu es coupable, que tu brandis cela, que tu nous dis, écoute, je suis déclaré non coupable. C'est un bon thème, hein? Déclaré non coupable. Je suis non coupable. Dis à celui qui est à gauche et à droite, je suis non coupable. Je suis non coupable. Oh bien-aimé, vous n'avez jamais suivi comment pourrait dire de jugement au tribunal quand quelqu'un est déclaré non coupable. Comment est-ce qu'il réagit? Il croyait aller en prison. Et maintenant il est déclaré non coupable. On prononce la sentence, on dit que non, nous les jurés, nous les trouvons non coupables. Comment est-ce qu'il réagit? Je voudrais que vous puissiez réagir comme ça. Parce que quand il se sent non coupable, il sait que maintenant il sera libre, il sera libéré, il peut faire ce qu'on lui semble, il peut assumer n'importe quelle fonction, il peut aller où il veut, il n'a pas à prévoir l'avenir avec beaucoup de positivisme. Moi j'entrevois cela. Pourquoi? Parce que je me sens libre, parce que Christ m'a déclaré non coupable. Amen. La Bible nous dit, bien aimé,
Jésus-Christ qui vient avec ses quatre arguments. Il dit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Écoutez les quatre arguments dans le verset qui vient, le verset 34. Qui les condamnera? Christ Jésus est celui qui est mort. Le premier argument, quand Jésus-Christ vient défendre ta cause, le premier argument est que, écoute, je suis mort pour lui. Christ est mort pour toi. Amen. Christ est mort pour toi, ma bien-aimée. La Bible nous dit, lui qui n'a pas connu le péché, il a été fait péché pour toi. La Bible nous dit que la sanction, gage de la paix, était tombée. Christ, ma bien-aimée, mon bien-aimée, s'il est venu sur cette terre, la première des raisons, ce n'était pas pour que tu te maries, ce n'était pas pour que tu voyages de l'Afrique à l'Europe. Peut-être que tu as prié, Dieu a ouvert les portes. Mais la première des raisons, c'était pour qu'il meure pour toi. Pour qu'il meure pour toi. Parce que tu étais condamné. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3, au verset 10 et 11, la Bible nous dit que non, nous étions séparés de Dieu. En nous, il n'y avait rien de bon. Personne ne cherchait Dieu. Et la Bible nous dit que non, nous avions péché et la gloire de Dieu était éloignée de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais en ce temps-là, Christ est venu et il est mort pour toi. Le diable avait commis une grande erreur. Le diable avait commis une grosse erreur. Parce que des fois, il se croit intelligent, mais des fois, il est pris à son propre piège. Amen. Amen. Il fait un trou pour que les gens puissent tomber, mais c'est lui-même qui tombe le premier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il est écrit dans Ézéchiel 18, au verset 4, que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le diable a commis. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, ma bien-aimée, t'en fais pas. Il y a bien des choses qui sont mortes dans la vie, dans ta vie, mais qui vont ressusciter cet après-midi. Qui vont ressusciter. Amen. Amen. Molly Lee.